Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous ne me voyez pas, je vais être en plongée. Je filme en caméra plongée car j'ai reçu mon pied de chez AliExpress que j'avais commandé il y a presque 2 mois, je crois. Voilà, donc je l'essaye. J'espère que ça donnera bien. Bon, moi je me vois à l'envers par contre dans ma caméra, mais bon, j'espère que ce sera bon. Alors pour refaire pour essayer mon nouveau pied, je vais faire une carte. Alors si vous vous rappelez, j'avais le dernier, je crois que c'est le dernier que j'avais reçu. Voilà, c'est pas facile justement avec le pied à vous montrer. Voilà, j'espère que je suis à l'endroit. Une des revues anglaises, voilà, qui était sur le thème de Noël, avec j'ai dit que c'était des Pères Noël, mais c'est pas des Pères Noël, ça, je pense plutôt que c'est des lutins. Voilà, donc on va faire une carte avec eux, voilà, et puis, donc il va y avoir du tamponnage, de la colorisation, voilà, et puis on va voir, hein. Donc on y va, on essaye. Donc ma carte va être carrée, bien sûr. Je vais prendre un support voilà, ça, il va falloir que je m'habitue à pas bouger le pied de la caméra. Donc je vais faire sur un support comme ça, voilà, alors, une 15-15 hein, d'action, et voilà. Je vais prendre mes tampons, je vais les faire sur du papier cardstock. Donc je vais prendre une feuille blanche, alors on va d'abord faire le tamponnage. Donc, je vais couper ma feuille à la bonne largeur pour que ça rentre dans ma big shot après. Alors je pense que là ça doit aller, ouais. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Ça, je le garde parce que je vais avoir besoin du dies. Je vais prendre ma fosse Misty. Alors, je vais essayer quand même de reculer un petit peu. Voilà. Et mon encre. Alors, l'encre, je vais prendre la Memento. Voilà, celle-ci. Donc si celles qui n'auront pas encore vu, la fosse Misty est faite avec un cadre de chez Ikea. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez la retrouver dans mes vidéos. Voilà. Alors on va faire des petits lutins. Hop. Alors, comme je n'en suis pas encore servi, c'est vrai qu'ils sont encore un peu durs. Voilà. J'essaye de régler, mais j'ai encore un peu de mal avec le pied. Voilà. Un petit peu de Memento dessus. Alors c'est vrai que depuis que j'ai ça, le tamponnage c'est super. Parce que du coup on peut repasser plusieurs fois. Mais bon, je vais vous donner un tout petit coup, très léger. Voilà. Voilà. Alors, comme je vais en faire plusieurs... Ah, mes lingettes. Où ai-je mis mes lingettes? Bon, tant pis, j'ai ma vieille serviette. Je vais prendre ma vieille serviette. Voilà. Allez, un deuxième petit lutin.
un petit coup de tampon. L'encre qui a débordé pour pas que ça vienne sur ma feuille. Mes cheveux, j'ai des cheveux partout. Oh, je veux le dire, c'est pas facile de vieillir, hein. Voilà. Alors, un petit lutin, c'est bon. On va faire son petit copain. Oh. Et là. Son petit copain est pas pareil. Ils sont tout rigolos ces petits lutins, j'aime bien. Voilà. Un deuxième. Alors dites-moi ce que vous pensez hein, de cette version de vidéo comme ça en plongée. Celles qui ont l'habitude d'en faire, bah, dites-moi si vous avez des conseils à me donner. Parce que bah, du coup, j'ai pas l'habitude. Donc dites-moi si je fais bien, si je fais mal. En même temps, je voudrais faire une fois un direct. Mais je ne sais pas du tout comment on fait. Parce qu'avec la caméra, je suppose qu'il faut avoir un câble exprès pour mettre sur l'ordinateur, je ne sais pas. Donc au passage, les pros de YouTube, bah, dites-moi. Voilà, mes petits lutins sont faits. Alors, j'ai normalement un petit paquet cadeau. Où je vais mettre que des lutins. Oui, bon, je vais mettre que des lutins pour l'instant. Je ferai après. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont tout mignons. Donc, maintenant, on va les coloriser. Alors, je vais prendre un petit bout de feuille pour mes feutres. Je prends un bout de cardstock, c'est rien. J'ai mon encre, voilà. Allez, on est parti. Alors, j'essaye d'abord, avant de vous montrer celui que j'ai choisi. Ouais, celui-là. Alors là, je vais prendre, pour faire le bonnet de celui-là, le Vivid Red numéro 4. Voilà. Et on est parti. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Ça y est, ils sont en train enfin de goudronner notre nouvelle route. Il était temps.
croyais qu'elle allait jamais finir cette route. Bien sûr, la police est toujours là aussi pour donner des procès. Même hier, qu'on était dimanche, ben, ils étaient là quand même. J'ai oublié de sortir mon zéro. Mon zéro, mon zéro, il est où? Je ne sais pas. Tant pis. Ouais. Donc je repasse avec un Carmine numéro 11. Voilà, j'aimerais bien trouver un stylo à paillettes. Je ne sais pas où. Voilà. Mignon, hein? Hop là, là. Et j'ai pas encore l'habitude, là. Non. Allez, on va leur faire leur petit bout de nez. Alors, d'habitude, j'utilise, je crois que j'utilise celui-là pour faire les visages. Ouais. Avec lequel? Je ne sais plus. Non, ça c'est trop foncé. Mince, avec lequel que je fais? Je sais plus. Alors, celui-là, c'est le crème 36. Plus avec lequel je passais, mince. Non. Ah zut. Faudrait que je me fasse un cahier marqué justement sur un papier les mélanges que je fais. On va lui mettre des petits chaussons. Alors, vert. Donc celui-là, c'est le grass green. Hop, le 47.
Et voilà. Là, la barbe est blanche, donc on la laisse blanche. Donc, maintenant, celui-ci. Alors. D'abord celui-là. Donc, je reprends le Vivid Red numéro 4. Et on va lui mettre du vert. Alors, je vais peut-être prendre un vert un peu plus soutenu. Alors, je pense que celui-ci, oui. Alors, celui-ci, c'est le Mint Green 56. Voilà. Ah, j'ai oublié. Bon, j'ai oublié de mettre du rouge quelque part. Alors, c'est celui-là. Et de pas déborder. Voilà. Et là. Joli mon lutin en rouge et vert. Là c'est pas en rouge et noir. Nanana. Non non mais c'est rien, vous inquiétez pas, c'est toujours aussi zinzin. J'avais oublié du rouge. Normalement, j'ai pu oublier. La fille est pas là, elle fait son dodo.
mais bon, elle va peut-être venir après. En train de passer le rouleau sur le goudron. J'ai l'appartement qui tremble. Voilà, mignon hein. J'ai mon vieux poilu qui ronfle. Allez, une dernière petite touche de vert, après on fera leurs petites chaussures et leur bout de nez. Voilà, regardez. Allez, les petites chaussures, on va faire le même vert comme ça. Ils ne sont pas dépareillés, ils sont à la mode, mes petits lutins. Voilà, le chapeau, il est là. Ah bien, super. Alors hier, je vous ai fait une vidéo hein, avec le Gravity aux oiseaux. Alors, normalement, j'avais enlevé tout le son. Et je me suis aperçue ce matin qu'il restait un petit bout du son. Et on m'entend dire super. Ben ouais, j'ai dit ça parce que en faisant ma création, ben le pistolet à action, il a pété. Il a cassé la manette morte. Alors heureusement qu'il me reste mon petit pistolet à colle Artemio. Parce que sinon, ben j'étais mal, j'avais plus de... Je n'avais plus de, aidez-moi, de pistolet à colle. Voilà. Bon, voilà, mes petits lutins sont faits. On va les découper. Donc là, j'ai le die hein, pour les découper. Ah, j'ai eu peur. J'ai mince, ils sont à l'envers. Non. Alors. Alors par contre, je vais peut-être mettre un bout de, comment on appelle ça, ça m'énerve quand je cherche mes mots, de washing tape, voilà, pour pas que ça bouge. Alors, désolé, moi je bouge par contre. Alors, top, top, top. Non, ça c'est du doré, je vais pas user le doré quand même. Ah, et vas-y, Edith. Fais tout tomber. Voilà. Ma boîte à washing tape. Alors, on va prendre un pas celui-là. Je vais prendre un tout ordinaire. Hein, parce que... Voilà. On va remettre tout de suite. Voilà. Allez. Donc le washing tape, bah, ça vous permet de tenir votre dies et sans que ça arrache votre feuille. Donc c'est pratique. À condition qu'on arrive à l'ouvrir. Voilà.
Allez. Mais Big Shot, j'ai acheté les plaques, c'est des nouvelles d'il n'y a pas longtemps, elles sont déjà toutes usées. Oh. Ça s'use vite, ça, mais alors à un point, waouh! Et en plus, c'est pas pour rien. Allez, on mouline, on mouline. On va voir si la découpe est bonne. Oui, bien. Regardez. Super. Ça, j'aime. Quand il y a le dies avec, c'est super. Allez, on continue. Oh, j'arrive pas à viser ma caméra. Allez, encore deux à couper. Non, j'ai raté, ça a bougé. Mon rêve, avoir la silhouette un jour. Oh. Mais bon, c'est pas pour maintenant, hein. On va essayer de demander à Papa Noël. Et bon. Papa Noël, je veux la silhouette, s'il te plaît, j'étais sage toute l'année. Vous croyez que ça marchera si je demande au Papa Noël? Voilà. Allez, le dernier. J'aime vraiment bien les tampons et les dies de la revue anglaise. Ils sont vraiment très 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 bonne qualité. Là, ce qui est dommage, c'est que j'ai rien sur Halloween. Mais bon, tant pis. Voilà pour l'instant. Mon dies tout de suite pour pas le perdre, voilà, avec les tampons. Les tampons, j'en ai encore besoin après. Et voilà mes petits perno, enfin mes petits lutins. Donc, alors maintenant, dans le papier mirror ou holographique, je vais regarder.
que je mettrais du rouge. Ce serait bien du rouge. Après, ça, c'est les holographiques d'action et les mirrors. Ils sont super beaux, j'adore. Je pense que je vais faire le rouge. Voilà. Et il me faut un papier de fond. Il va falloir que je range, je range, je range. Je ne fais que ça là depuis 3 jours, mais je ne m'en sors pas. Alors. Non, ça c'est pas Noël. Là c'est Noël, mais bon, ça va faire trop rouge après. Ouais. Bon, pas celui-là pour l'instant. Ben, on va faire celui-là, hein, parce que celui-là c'est Noël. Comme les petits chaussons sont verts. J'aime bien le premier, oui. Ouais, on va prendre celui-là. Yeah. Donc, action, hein, bien sûr. Et là, c'est un que j'ai reçu ben, ce matin par une topine. Complètement folle, la fille. Non. Alors, là, il faut que je trouve ma règle. Oh, il y a un boxon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va mesurer de ce côté-là. On va prendre. J'aurais dû tout préparer à l'avance, hein. Mais bon. Voilà. Crayon. Crayon. Voilà. Donc la carte fait 15. Donc on va faire un fond de 14. 14 sur 14. La porte d'entrée de l'immeuble continue à grincer. Ils l'ont réparé deux fois déjà. C'est du HLM, hein. Donc répare avec des bouts de ficelle, hein, comme on dit. Voilà. Alors, est-ce que je fais dans ce sens-là? Ouais, c'est mieux. Donc, on va mettre du double face, mais du 3D. Pareil, action. Action, réaction. Un au milieu. Voilà.
On va mettre les sapins à l'envers surtout. Alors avec le 3D comme ça, faire attention de ne pas se tromper parce que celui-là pour le décoller, c'est une autre histoire. Hein. Oh, j'ai eu peur, je croyais que j'avais fait à l'envers. Vous voyez, je parle et puis... Alors... celui-là, oui. Le die carré, pareil, c'est celui d'action. Et on va couper, donc vous voyez, l'holographique rouge. Donc, on va le faire à la Big Shot. On va d'abord couper un bout. Et voilà. C'est parti, mon kiki. Ouf. Et ben, il est dur. On va faire un petit coup. On ne sait jamais. Oh, désolé hein, pour le bruit, mais là... C'était un peu dur. Voilà. Le reste du papier, on va le mettre là. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Donc j'ai un poinçon quelque part, mais bon. Des fois, tout ne se perce pas tout de suite. Quelle belle invention, en tout cas, la Big Shot. Oh là là. J'aimerais que ça, c'est quand on peut, c'est le truc à avoir quand on fait du scrap. Hein, parce que, du scrap, de la carterie. Allez, encore deux. Et voilà. Voilà. Pareil, je l'ai mis où? On va remettre du 3D. Avant de le coller, je vais vérifier comment ça va avec mes petits lutins. Est-ce que j'en mettrai pas en... Non, en dessous, c'est pas la peine, ça se verra pas. Je pense que les 4, ça va faire trop. Bon.
Regardez pas mon vernis hein, sur mes ongles, il est tout défait. J'ai pas eu le courage ce matin de passer le coup de dissolvant. Je vais s'asseoir en regardant la télé. Voilà. Donc on va se mettre bien au milieu. On va essayer, hein, bien droit. Voilà. Et maintenant, mes petits lutins. Ouais, j'aurais dû alors les petits lutins, on va leur mettre de la mousse 3D. Ou alors oui, je vais prendre ça, je vais mettre des morceaux. Alors c'est parce que je voudrais mettre glisser des phrases en même temps, mais alors là elles sont en anglais. ouais, là elles sont en anglais, donc je sais pas ce que ça veut dire, enfin pas tout à fait. Which love at Christmas. Alors ça, avec un mot pour Noël, hein? C'est ça, hein, les filles? Hop, voilà. On va finir mes lutins après. Mon cardstock. Et là, je vais le faire du côté où il y a le dessin sur le cardstock. Et j'ai mis où mon tampon? Ah, il est là.
Ben voilà, du premier coup. C'est pas beau ça? J'aurais pu le faire sans embossage. Mais bon, tant pis, je ferai pour une autre carte. Et là, alors, voyez, voilà comment sont rangées tous vos médailles. C'est une catastrophe. Je sais plus comment faire. Alors, ouais, j'ai peut-être les autres dies. Je ne sais pas où je les ai mis. Trouver là, ça c'est trop grand, c'est trop grand. Bon, il va vraiment falloir que je trouve une solution parce que là je perds un temps fou à chercher mes dies. Voilà, est-ce que celui-là il va? Ouais, celui-là il va, et du coup ça me prend la tête. Je vais prendre celui-là aussi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah, mon die était coincé. Voilà. Donc, le blanc, j'en ai plus besoin. Paf, paf, paf. Non. Attendez. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Parce que je voudrais remettre autre chose en plus, mais. Au secours, au secours! Aidez-moi les filles. Mais ils en font du bruit. Je sais pas pourquoi, mon gars, il colle à l'autre chose. Ah, ben alors. Je sais pas. Je sais pas, ça me va pas. Et quand ça ne me va pas. Ah ouais, non, il faut que je trouve une solution parce que là, ça me prend la tête. Bon, j'ai pas. Donc, ça restera comme ça. Ça, c'est trop grand. Donc, pareil, on va mettre du 3D hein, pour que ce soit en relief.
Voilà. Et bah, on remet du 3D derrière. Voilà, comme ça je peux en mettre trois. Je voulais mettre plusieurs lutins. Ah, quand je l'ai à la tête, c'est pas ailleurs. Hein. Minutes pour une carte, pas trop longue la vidéo les filles. Mais bon, ça prouve que ça peut pas se faire en 5 minutes non plus, hein. Voilà. Je me dis, ça colle celui-là. Voilà. Et on va mettre le petit dernier. Donc il m'en restera un, mais bon, ça va me servir pour d'autres cartes. Hein. Téléphone qui vibre. Voilà. Et voilà Fifi. Oui, où tu vas passer? Où tu vas passer? Oh, elle grimpe surtout. Donc voilà la carte. Alors, je sais pas dans quel sens vous la voyez.
Je vais vous mettre des photos juste après. Donc voilà, moi je la trouve toute mignonne, toute simple. Et puis en plus, bon, du coup, vous pouvez la poser comme ça pour sur un meuble quand vous la recevez. Donc non. Alors c'est ça qui me manque. J'aurais un stylo gel, genre un gel paillette. J'en aurais mis sur les barbes des lutins. Mais bon, j'en ai pas. Donc voilà. Ça y est, bon, je trouverai peut-être. Je sais pas. Au cas, à l'occasion, je vous dis, si vous savez où je peux en trouver, dites-le moi. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, j'y réponds. Un petit pouce bleu. C'est vrai que j'oublie de le dire maintenant. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas. Parce que comme j'ai dit, si vous êtes sage, peut-être qu'au mois de novembre, pour mon anniversaire, je ferai peut-être une surprise. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Les photos de la carte juste après. Bisous, bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye.